Bonjour à tous, en début de saison, je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter le nouvel arôme qui est disponible donc dans la gamme Carpodrome chez Fun Fishing, Maggot Fish Meal. Donc comme vous avez pu le voir, cet arôme était disponible en pelée de 6 et 9 mm, donc en pelée d'échage. Dans la gamme Maggot Fish Meal, on retrouve également les pelées surdosées, donc les pelées d'amorçage que vous connaissez. Et puis bien sûr, les fameux amino boosters, donc pour préparer vos pelées, vos graines, vos pâtes, enfin tout ce que vous voulez booster pour pouvoir pêcher les carpes en carpodrome. Pour élargir cette gamme sur l'arôme Maggot Fish Meal, on a décidé en cours de saison de sortir la pâte One and One. C'est une pâte qui existe depuis très longtemps dans la gamme Carpodrome. La base du mouillage, c'est une dose d'eau pour une dose de pâte. Donc après, à votre convenance, de mettre plus ou moins d'eau suivant comment vous voulez pêcher. Après, vous pouvez également fibrer la pâte avec la passe fiber. Donc c'est un produit qui va rendre la pâte fibreuse avec une texture un petit peu spécifique et qui va vous permettre de pêcher un peu plus longtemps sur le fond. Donc là, on va dire que c'est de l'ordre de 10% par rapport à la farine sèche que vous pouvez ajouter dans votre mélange. Et puis si vous avez vraiment envie de booster votre pâte, vous pouvez également ajouter du Pasta Tractor. Donc c'est une farine pour booster les pâtes. Voilà, qui est disponible en pot de 130 grammes. C'est pareil, vous mettez entre 10 et 15% du mélange sec. Et là, vous aurez quelque chose de très très concentré en farine de poisson. Voilà, donc cette nouvelle pâte Maggot Fish Meal, elle est déjà disponible dans tous vos magasins. Donc suffit d'aller chez vos détaillants préférés, puis si jamais ils ne les ont pas en stock, de pouvoir passer commande. Voilà, donc je vais essayer de tremper une dizaine de minutes et après ils seront parfaits pour amorcer. Voilà, je vais ajouter un petit peu d'amino booster du même arôme. Donc comme vous le savez, la One and One, c'est une dose de farine. Voilà, donc je vais mettre une boîte de pâte puisque c'est une dose de farine pour une dose d'eau. Alors avant de mettre ma dose d'eau, je vais rajouter un tout petit peu de fibre. Donc la fibre, ça permet de changer un peu la texture de la pâte et d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu de la mie de pain. Voilà, quelque chose de très fibré. Voilà, donc j'en mets à peu près 10%. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Un produit très concentré. Voilà, donc on a dit que c'était une dose de farine, maintenant je vais ajouter une dose d'eau. Voilà, on va mouiller tout ça et puis on va laisser gonfler quelques minutes et la pâte sera prête à pêcher. Voilà, donc j'ai pris le fond, hein, il y a vraiment pas beaucoup de fond, 60 cm, donc j'ai coupé ma bannière, ça me fait une ligne très courte, mais bon, quand on pêche à la pâte, il faut avoir une bannière la plus courte possible. Donc là, j'ai monté une ligne avec des hameçons XT1 en taille 12, puisqu'apparemment, c'est pas des très gros poissons. J'ai choisi de monter un flotteur K4 Pro, donc en 0,30, parce que pour l'instant, il n'y a pas du tout de vent, et puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'eau. Là, je suis en Excellium 16 centièmes et puis j'ai monté un élastique Capro au-dessus de 2 mm. Voilà. Donc là, j'ai amorcé. Sur mon coup à 11 mètres, j'ai mis une coupelle de pelée, une coupelle de pâte et puis une coupelle de chènevis. Et j'ai refait exactement la même chose sur le côté. J'ai été mettre une ou deux coupelles sous l'arbre. Au niveau du fond, puisqu'on me pose souvent la question, moi, ce que je fais, c'est que je sonde vraiment pile poil au ras de l'antenne. Et si le fond est propre, sur à peu près un demi-mètre carré, je rajoute 2 cm. Voilà, pour que ma boule de pâte elle soit bien posée sur le fond et que ça tire pas trop sur le corps de ligne et que les poissons sentent pas au cas où ils passent juste à côté du nylon. Bon, ça m'arrive de traîner un peu plus, mais c'est quand même assez rare.
Là en plus, il n'y a pas de vent, ça bouge pas d'un poil, donc je pense que ça devrait pêcher comme ça. Donc, je suis resté sur le mouillage du départ, hein, c'est-à-dire une dose d'eau pour une dose de pâte. Et là, j'ai une pâte qui est assez friable, hein, qui va tenir à l'hameçon 5-6 minutes. Donc ce que je fais quand je pêche à la pâte, parce qu'on n'a pas forcément la coupelle qui est tout le temps proche du bout du sion, donc de temps en temps la boule de pâte est déportée du flotteur, donc je bascule ma canne, la boule de pâte tombe à la surface et j'attends toujours que la boule arrive vraiment bien à la verticale de ma ligne, et après je repose ma ligne tout doucement pour être bien positionné. Et puis surtout que la ligne soit bien verticale par rapport au sion, que ça pêche le mieux possible. Parce que si vous avez une ligne qui est un peu en travers, bah forcément ça va tout le temps tirer dessus et ça pêchera pas bien.